Et qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser l'étoffe avec des fils tirés de votre cœur. Comme si votre bien-aimé devait porter cette étoffe. C'est construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait habiter cette maison. C'est semer le grain avec tendresse et récolter la moisson avec joie. Comme si votre bien-aimé devait en manger le fruit. C'est laisser toute chose que vous façonnez du souffle de votre propre esprit. Et savoir que tous les bienheureux morts sont là, près de vous, et vous regardent. Souvent, je vous ai entendu dire, comme parlant en dormant, celui qui travaille le marbre et trouve dans la pierre la forme de son âme est plus noble que celui qui laboure la terre. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel pour le coucher sur la toile à la ressemblance de l'homme vaut mieux que celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. Mais je dis, non pas dormant, mais dans l'extrême éveil de midi, que le vent ne parle pas plus doucement aux chênes géants qu'aux plus minces de tous les brins d'herbe. Et seul est grand celui qui change la voix du vent en un chant que son propre amour rend plus doux.